Ok. Alors, chers amis, bonjour, bonjour à tout le monde. Soyez salués. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour de Dieu. Pour tous ceux qui sont à l'église, soyez salués. Ok. On va continuer le débat. Parce que j'ai été interpellé dans beaucoup, beaucoup de vidéos. Alors, on revient toujours à l'histoire de Soulé de Kaka, le fils de feu Mamadi, qui a été enterré à Niakara Madougou, à Niakara. Voilà, donc envoyez-lui la vidéo, dites-lui que Zasso dit, si tu es encore couché, comme lui, il se couche à 4h du matin pour se réveiller, souvent à 15h, dites-lui que Zasso dit, il faut te réveiller. Il faut te réveiller parce que tu as commencé là, moi je n'ai pas encore oublié. Voilà, je n'ai pas encore oublié, deux jours je l'ai vu faire des vidéos en train d'insulter des femmes. Insulter des femmes. J'ai trouvé ça vraiment honteux. Alors, chers amis, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à Soulé de Kaka. Il dit les Français. La fois dernière, il a fait vidéo. Il dit les Français. Mais quand tu dis que tu es Français, il faut bien expliquer. Soulé, il faut bien expliquer les choses. Quand tu dis que tu es Français, là, il faut bien expliquer. Parce que c'est trop facile de dire que non, je suis Français. Non, il faut tellement, il faut bien expliquer, les gens vont comprendre. Comme tu ne connais pas ton histoire, tu mens, tu racontes du n'importe quoi, moi je vais te dire. Moi je vais te dire, moi je suis quelqu'un, on ne me provoque pas. Je vous ai toujours dit, quand vous faites vos vidéos, ne me provoquez pas. Parce qu'à cause de ça, vous n'avez pas de respect pour les gens, à cause de ça. C'est-à-dire que pour vous, la Côte d'Ivoire va se limiter à ça. Mais quand on sera créé à sa rébellion, là, nous tous, on était là, on était dans le pays là. On est témoins. On est témoins. On vous dit la rébellion de Soro a tué des gens. C'est Soro qui a tué, c'est pas quelqu'un. Si c'était les IBS là, ils n'allaient pas avoir de mort. Quand les IBS ont fait la rébellion là, est-ce que vous avez vu? Mais c'est quand Soro a pris qu'il y a eu des règlements de compte. Tout ce qui s'est passé, tous les proches des IBS ont été tués. On sait ce qui s'est passé. Nous avons les éléments de preuve de ces organisations et autres qui ont fait des rapports, des ONG, nous avons tout ça. La rébellion de Soro a fait trop de tort. C'est par opportuniste qu'il a pris la rébellion. Souvent vous dites, est-ce que Soro peut créer, payer les armes? Mais je vous ai toujours dit que IBI a été créé. Il dit que c'est Kadhafi qui a financé leur rébellion. Kadhafi a donné 4 milliards, Blaise leur, il a donné ça, Blaise leur a donné 2 milliards. 2 milliards là, ça ne peut pas payer armes. Je vous ai dit que les armes là, ça boitait ici, ils ont pris. Ce sont les armes de la République. Comme ils étaient en face d'eux, il y avait un régime incompétent qu'on appelle le régime FPI. Malgré les interpellations de la presse, nous tous les assauts, on a interpellé le pouvoir Gbagbo, ils n'ont pas voulu écouter. Ils disent, mais il faut les laisser rentrer, quand ils vont rentrer, on va les encercler. Et puis voilà, ils n'ont pas fait, nos parents ont été tués. Boaké, l'Ouest, jusqu'à l'Ouest même, on n'en parle pas. Donc, vous ne pouvez pas me distraire avec votre histoire de Soro. Je suis vraiment désolé pour vous. Parce que nous aussi, nos parents ont été tués dans ça. Mais tout ça, c'est Soro. Hein. Personne ne l'a envoyé de venir prendre la tête de rébellion. C'est lui-même qui a, par opportuniste, qui a pris la tête de la rébellion pour tuer des Ivoiriens. Ouattara ne l'a pas envoyé. Vous-même, vous savez que le président Ouattara, il n'a même pas tant de Soro. Vous racontez vos vies. Les armes que les gens ont pris là, ce sont les armes ici. Sous le régime Gbagbo. Gbagbo savait, son régime savait. Ils ont laissé les gens rentrer, ils étaient là pendant des temps. C'est-à-dire qu'ils se sont levés un matin, ils sont allés dans les casernes, ils ont pris les armes. C'est ça qu'ils ont pris pour bloquer Boaké. Celui-même qui a tué là, c'est Soro. Parce que tellement il voulait cette rébellion, il a mis une équipe en place et puis il a massacré les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Il a eu la chance où Gbagbo s'est imposé à la tête de la rébellion. Non, c'est Ouattara qui a fait la rébellion. C'est Ouattara qui a fait la rébellion. Quand le président Ouattara était dans l'opposition, moi j'étais le seul qui disait au régime Gbagbo. Comme vous dites que c'est le président Ouattara porté plainte contre lui. C'est pour ça qu'on m'a chassé dans les agora parlement. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous dis la vérité. J'étais celui-là qui disait au régime Gbagbo. Comme à chaque fois, quand les blés goûtaient, les tapouris chapent, ah c'est Ouattara, c'est Ouattara. Moi je leur ai dit, bon, comme vous dites que c'est lui, il est là, allez-y porter plainte, allez-y l'arrêter. Vous avez la gendarmerie, vous avez tout, allez-y arrêter Ouattara. C'est moi, je leur ai dit ça. C'est pour ça qu'on m'a chassé dans les agora. Vous ne me connaissez pas, hein. C'est moi, il leur a dit ça. C'est pour ça qu'ils m'ont chassé dans les agora parlement. Ils ne me supportaient pas. Parce que pour moi, il faut arrêter de mentir.
La rébellion, c'est l'incompétence du régime FPI. C'est ça, c'est la vérité. Ils ont été informés de contrôle de la Mercedes noire, du Cheva blanc, la résidence des... Nous, ça, on sait. La rébellion, là, c'est pour les IB. Soro a pris ça pour opportuniste et il s'est imposé. Il a eu la bénédiction du régime FPI. Soro, c'est un homme du FPI et moi, je connais. Je vous explique comment il s'est séparé du Gbagbo. Donc, sous le, on va revenir un peu à ton histoire. Toi et tes imbéciles qui te suivent, qui font des vidéos à la con. Moi, je ne suis pas votre ami. Hein. Moi, je suis une bibliothèque. Je vois beaucoup de vidéos des imbéciles là, qui font des vidéos là. Moi, à ce moment-là, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne dois personne, ma main propre. C'est vous qui déplacez le débat. Hein. À chaque fois, quand vous faites vos vidéos, Zasso, vous allez m'attaquer, vous allez m'insulter, vous allez me retourner. Au RHDP, là, je n'ai pas de place là-bas. Je ne suis pas nommé parmi les cadres du RHDP. Le RHDP, ils ont leur système, ils ont leurs hommes, ils ont tout. Moi, je défends mon pays, je défends un président que j'ai voté, qui s'appelle le président Alassane Ouattara. C'est lui que moi je défends, c'est son système que je défends. Sinon, si c'est RHDP là, le RHDP a déjà ses hommes. Ils ont nommé des hommes. C'est eux qui sont là, vous attaquez la Côte d'Ivoire, vous insultez la Côte d'Ivoire, malgré tous les moyens qu'on leur donne, ils ne peuvent pas vous répondre. Ils sont là, ils sont mieux. Ils ne parlent pas. Ils sont dans un parti où ils s'enrichissent, ils deviennent puissants et ils n'arrivent même pas à défendre le parti. C'est pour ça que nous, les assos, on s'est levé pour dire non, ce n'est pas normal. Notre pays, là, il faut qu'on défende notre pays, même si les gens du RHDP. Les nouveaux milliardaires ne font pas leur travail. Ils n'arrivent pas à canaliser Soro, ils n'arrivent pas à vous canaliser. Nous, les assos, on va vous parler parce que c'est la terre de nos ancêtres. C'est que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Et ce que le président Ouattara fait, c'est ce qu'au Fouet-Boigny a fait. Donc, moi, je ne peux pas laisser des individus comme vous venir insulter le chef de l'État. Je vais vous répondre. Et je vais vous accompagner chez vous. Je vais vous accompagner chez vous hein, parce que depuis combien d'années vous m'attaquez? Pourquoi c'est moi seul? Mais le RHDP a nommé des gens. Pourquoi c'est moi seul que vous attaquez? Si ce n'est pas moi, c'est Johnny, c'est Gouza, c'est Nagui, c'est vous avez quel problème? Nous là, on aime notre pays. C'est pour ça qu'on défend le pays. Soudain, on va revenir à ton histoire. Voilà ta vidéo que j'ai écoutée la fois dernière. Il faut écouter, hein. Moi, je n'ai pas de problème avec toi, hein, Soudain. Je n'ai pas de problème avec toi. Depuis que tu as commencé tes vidéos, je t'ai dit, laisse ma mère en paix. Ma mère n'a rien à voir, c'est pas elle qui m'a amené à la politique. Moi-même, mon père n'a pas pu me convaincre. Mon père est l'État FPI, il n'a pas pu me convaincre. Jusqu'à ce qu'il décède. Moi, quand j'ai dit et faire ma chose là, tu ne peux pas me changer. Tu t'en vas là, chercher les numéros, à chercher, appeler à ma mère. Et puis, en même temps, ta maman dit, t'es maudit. Toi, tu connais la relation, ma mère et moi. Il faut te calmer. Hein. France, où tu as assis, il y a une nationalité française. Vos papiers, là, ma mère a ça. Elle a ça. Elle, vous m'avez une fois dit, ah oui. États-Unis, France, est-ce que vous m'avez une fois vu, je sais, non, moi-même là, je garde ma nationalité ivoirienne. Sinon, ce que vous avez là, si vous voulez avoir son pied avant, ça ne nous intéresse pas. Moi, je suis Zasso. Zasso du Côte d'Ivoire. Nous sommes les petits-fils de Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Soulé, tu vas t'écouter hein, parce que tu crois que j'ai un problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. C'est ta grande gueule, ton impolitesse, tu es mal éduqué. C'est ce que je n'aime pas. Tu es très, très mal éduqué. Depuis que la Côte d'Ivoire, depuis que tu es assis sur les réseaux sociaux, tu n'as jamais parlé bien de la Côte d'Ivoire. Tu as une haine pour la Côte d'Ivoire. Tu détestes la Côte d'Ivoire. Donc moi, j'ai fouillé pour savoir pourquoi le monsieur là, il déteste tant mon pays. Il déteste tant mon président. Déjà, ton père là, c'est un ancien combattant. Il fait partie d'un coup d'ancien combattant. Tu as tenté de renverser ce coup tué en Guinée et qui a fui, qui est venu rester ici. Qui est venu rester en Côte d'Ivoire, à Niakaramadougou. C'est là-bas qu'il a connu ta mère. On t'a mis au monde. Soulé, est-ce que tu dis aux gens, tout à l'heure, tu as fait vidéo, tu dis tu es français. Je n'ai pas de problème avec ça, mais on va t'écouter d'abord. Je me cache d'où je viens, jamais. Il y a eu, n'est-ce pas, aujourd'hui, l'autocuidance dans mon village. Pour aller prendre mon date de naissance et publier sur Facebook. Ils sont allés sur la tête de mon père, aller prendre des photos que je n'ai pas voulu envoyer à ma mère, à Poussi Baba, avec beaucoup d'émotion. Et dit à ma mère, je n'ai pas voulu envoyer à ma mère, à Poussi Baba, avec beaucoup d'émotion, idiot. Avec quelle émotion? C'est toi, tu es idiot, quoi, quand je dis avec beaucoup d'émotion.
Afousatou Bamba, là, vous êtes promotionnaire. Elle n'est pas ta mère, je te dis ça à chaque fois. Solo n'est pas ton père. Toi, ton père, là, tu le connais. Ou avec beaucoup d'émotion. Tu n'as même pas honte, même. On continue. Tu dis, les gens sont allés chercher tes pièces. Mais c'est pas toi-même qui as envoyé pièces de choses ici. Ça, là, c'est pièces de qui? Voici le mot de la carte que là. Fatma Martinez. Voici le derrière. Voici la, le verso. Numéro de carte d'identité. Le 11-80-25-95-668. Ça, c'est la carte d'identité de Dia. Dia, le député de Yopougon. C'est sa carte que Souli a pris. Et il montre son monde entier. Parce que c'est lui qui dit qu'ils sont allés chercher ses pièces, pièces de ses parents. Ils sont allés sur la tombe de ses parents. Ça, là, c'est Dia. Voilà. C'est la pièce de Dia. Le 11-80-25-95-668. Profession député. Voilà. Ça, c'est la pièce de, ça, c'est la pièce de Dia. Hein. Parce que c'est lui qui fait croire aux gens. C'est toi qui fouilles dans les vies des gens. On ne sait même pas ce que tu cherches dedans. Je continue. J'ai une vidéo que je vais te faire écouter. Sous le prince de Kankan, le fils de monsieur. Voilà, on va revenir à ça. C'est à cette vidéo-là que je vais répondre maintenant, puis je vais te dire d'où tu viens. Tu es arrivé en France. Comment tu es arrivé en France, tu n'expliques jamais. Mais il faut expliquer aux gens comment tu es arrivé en France. Sous le, il faut expliquer aux gens comment tu es arrivé en France. Qui était ton père? D'où vient ton père? Il faut que tu aies le courage. Non, je n'ai jamais... Tu n'as pas le courage de t'assumer. Tu renies. Aujourd'hui, tu es fier de dire, je suis français. Mon père a été combattant, je suis français. Mais tu ne dis même pas d'où vient ton père. Tu es fier de dire, ta maman est ivoirienne. Mais tu n'es pas fier de dire que ton père est guinéen. C'est la seule chose. Tant que tu ne dis pas ça, on ne va pas s'attendre. C'est ce côté guinéen, il faut que tu reconnaisses. Si tu reconnais ça, on avance. Parce que la haine que tu as pour mon pays, là, c'est pour ça que je te dis, tu vas reconnaître aussi ton pays, la Guinée. Soule, on va t'écouter. Parce que moi, celui qui m'attaque en politique, mais il veut m'attaquer sur des considérations, n'est-ce pas, farfelues. Hein? Tu es guinéen, tu es malien, ça ne m'intéresse pas. Parce que si je veux prendre... Si tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit que tu as montré la photo de Dia. C'est toi qui prends nos papiers, c'est toi qui prends nos images, c'est pas... Tu nous insultes, tu dis que tu as des informations, même tu menaces même les enfants même de l'Adi. Tu vas traquer ses enfants. Tu vois, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que les enfants ont à voir dans tes bêtises? Qu'est-ce que les enfants de l'Adi ont à voir? Mais c'est en fonction de ce que tu as dit à l'Adi que l'Adi allait fouiller dans ta vie aussi. Parce que quand tu fouilles, là, il faut savoir qu'on fouille aussi chez toi. Soule, tu n'es pas un homme politique. Tu n'as jamais été un homme politique. On commence maintenant, hein, je vais te dire la vérité. Tu n'as jamais été un homme politique. Tu es un cyberactiviste. Guillaume Soro a voulu faire un coup d'État. Il a tenté un truc au Burkina qui n'a pas marché. Il a voulu prendre Boaké en 2007, 17 ans. Il a voulu faire un coup, gros coup pour reprendre Boaké. Ça n'a pas marché. Il a fui, il s'est retrouvé en France. Il a largué les autorités ivoiriennes, il s'est retrouvé en France. C'est de là-bas que toi, tu es devenu cyberactiviste. Tu as commencé à défendre toi et tes imbéciles qui étaient avec Soro, des bandes illettrées, dans l'alphabet qui étaient avec Soro, votre groupe. Soro a commencé à vous financer, la Afousatou Bamba, tout s'est passé sous nos yeux. Les politiciens, là, c'est nous les assos. Nous, on a une histoire, nous, on est connus. Nous, là, on a une histoire, on est connus. Voilà. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, c'est moi qui combattais Soro. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, c'est nous qui combattait Soro. Je n'ai jamais accepté que Soro soit premier ministre, même ministre de la Défense. Jamais. Mais le FPI a pensé qu'en faisant de Soro premier ministre, ministre de la Défense, ils allaient avoir la paix. Je leur ai dit l'histoire, non, c'est que l'histoire m'apprend. Aucun chef rebelle ne peut créer les conditions de paix, jamais. Tout chef rebelle cherche le pouvoir. Soro a eu l'argent, son rêve, après Fessi, il a eu l'argent. Il a fait la rébellion, il a pillé nos cafés, nos cacao, il a volé banque. Plus de 2000 milliards détournés à la BCE. 2000 milliards détournés à la BCE. Casse de BCE, c'est Soro qui a cassé ses amis. Tout cet argent, il a fait blanchiment. Il allait investir au Burkina, à Ouagadougou. C'est là-bas qu'il a investi, Burkina.
Il a mis beaucoup d'argent. C'est cet argent-là, il prend et puis vous finance. Et vous insultez notre pays, la Côte d'Ivoire. Soulet, tu n'es pas un homme politique. Hein. Tu t'en as qu'à t'attaquer sur la politique, t'es un politique. Mais tu n'es pas un homme politique. Si tu étais un homme politique, tu n'allais jamais insulter maman des gens, attaquer maman des gens, parler de vie des gens à cause de Soro. Parce que tu aimes Soro. Ah, mon frère, tu peux aimer Soro, mais tu dois avoir des limites. Soro, c'est un chef criminel. Soro, là, c'est un chef criminel. C'est un chef de guerre. Il a tué ses enfants. Les traces sont encore là. Donc, tu ne peux pas venir nous insulter à cause de Soro. À celle qu'on dit à Soro, c'est comme nous, on pense. C'est notre droit. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Voilà un imbécile qu'on appelle Amira Blédé. Tu as dit ici qu'il est burkinabé. On dit, je l'ai vu faire vidéo ce matin. On dit qu'il te défend. Voilà un idiot comme ça. On dit, il s'appelle Amira Blédé. Toi-même, tu as fait poste, j'ai ça. Tu as fait vidéo. Tu dis Amira Blédé, c'est un burkinabé. Amira Blédé n'a même pas mangé. Donc, entre vous, vous vous soutenez. Regardez-moi des coalitions, des gens, des choses là, des sous-régions. Vous vous organisez, vous défendez vos pays et vous insultez moi, mon pays. Je ne peux pas accepter. Je ne veux pas accepter. Sous le Amira Blédé, il y a encore un gros illettré, on appelle Zouzou de quoi là, un gros illettré analphabète, c'est lui qui dit. Et puis votre groupe là, ce n'est pas vous qui allez donner le pouvoir à Soro. Moi, je vous ai dit ça. Combien d'années vous faites des vidéos de Soro? Combien d'années? Vous avez fait beaucoup de vidéos comme ça. Soro, Soro, Soro. Vous avez appelé à l'insurrection, à la désobéissance civile. Et même vous faites des vidéos pour dire à l'armée de prendre ses responsabilités. Ils n'ont qu'à lever Ouattara au pouvoir. Mais nous, on est là. Nous, on est là. Est-ce que Soro a pris le pouvoir? Soro n'a pas pris le pouvoir. En fait, c'est ça, c'est le vrai défi que je vous lance. Est-ce que vos vidéos, vous faites vos cris, vos marches, vous avez fait à Paris? Est-ce que Soro a pris le pouvoir? Ça, c'est le défi. Hein? Si vous me dites le contraire en avance, moi, je vous ai dit, moi, ça. J'ai combattu Babo, il était bêté. Je l'ai combattu. J'ai combattu Soro Dieu. C'est pas sous Ouattara qu'on va me distraire. Et c'est sous Babo que moi j'ai soutenu le président Ouattara. On n'avait pas l'argent, nous on n'avait rien. C'était avec le cœur que nous on était au RDR. Je croyais à un homme, et c'est cet homme-là qui est aujourd'hui au pouvoir, sous lui. C'est ça qui est la vérité. C'est ce côté rébellion, là, mais c'est ça. Moi, je sais comment Soro a pris la tête de la rébellion. Et je vous dis ça toujours, ce n'est pas opportuniste. Et il s'est débarrassé des autres. Il va assumer sa rébellion. Hein. Ne vous fatiguez pas, il va l'assumer. Ces crimes-là, il va les assumer. Ne vous fatiguez pas. Soulé, tu es né à Niakara. Je ne sais pas si tu as terminé la classe de 3e. Je ne sais pas. À Niakara, Soulé, tu sais comment tu es parti de Niakara, non? Est-ce que tu peux faire une vidéo et puis expliquer gentiment? Soulé, est-ce que tu peux faire une vidéo expliquer gentiment aux Ivoiriens comment tu t'es retrouvé en France? Comment aujourd'hui, d'après toi, tu es devenu français? Est-ce que tu peux expliquer ça? Fais-moi une vidéo, je te mets au défi, fais une vidéo, explique. Mais je vais t'aider. Tu étais à Niakara, tu sais comment tu es parti, tu étais en prison, non? Tu n'as pas fini ta peine. Tu étais en prison. Vers Katiola, là, tu étais en prison. Tu sais que c'est les mouvements militaires, les événements militaires qui t'ont fait que les gens sont allés casser les prisons et puis tu as profité de ça. Quand les gens sont allés casser les prisons, tu sais comment tu t'es arrangé et puis tu es sorti de la prison. Tu sais ça, non? Parce que les gens sont allés casser les prisons. Tu sais, Soulé. Tu sais que tu as violé une petite fille, non? Tu sais que tu as violé une fille. Tu sais. La fille que tu as traîné avec tes amis, là. Tu sais ça, non? J'espère que tu n'as pas encore oublié. Parce que quand tu parles à moi, là, il faut d'abord te laver. Parce que tu es sale. Toi et tes amis, vous avez violé une fille. Tu as violé une fille. Tout ce que tu fais, tu n'as pas de respect pour les femmes, là. Parce que toi, tu as violé une fille. Tu as violé une fille. Et c'est pour ça qu'on t'a mis en prison. Est-ce que tu as dit ça à ceux qui te suivent là? Est-ce que tu leur as dit ça? Ceux qui te suivent là, est-ce que tu leur as une fois dit ça? Que toi, tu as violé une fille ici à Katiola et à Niakara là, où ton père était là, tu as violé une fille là-bas. Et on t'a mis en prison. Ce sont les événements, les armes que les Soro ont pris là. C'est ça qui a fait que toi, tu es sorti de la prison, toi, Soulé. Tu sais comment tu es arrivé à 43e dimanche, tu vois, la fois dernière, tu dis... C'est-à-dire que moi, je veux qu'il m'attaque. Voilà pourquoi
rentrer dedans. Parce qu'eux-mêmes, ils sont avec des gens qui sont étrangers. Exemple, Abu Dhabi, si c'est de la présidence, il est quoi? Abu Dhabi, si c'est de la présidence, il est quoi? Il est sénégalais? Bitogo, il est quoi? Il est burkinabé? Kanga, il est quoi? Il est guinéen? C'est, tout ce que tu cites là, ce que tu cites là, ça c'est pas important pour moi. Moi, de toute façon, je suis clair dessus. Peut-être que vous ne me comprenez pas. On dirait que quand je parle, vous n'écoutez pas. Je dis, tant que tu es en Côte d'Ivoire, ta mère est ivoirienne, et que tu passeras ton temps à insulter la Côte d'Ivoire, dénigrer la Côte d'Ivoire, humilier la Côte d'Ivoire, je vais te montrer chez tes parents. Ce que tu cites là, ça c'est ton problème à toi. Ça c'est ton problème à toi. Tu dis à un Sénégalais, mais tu l'as une fois vu parler de coup d'État. Abu Dhabi, dont tu parles. Est-ce que tu l'as une fois vu appeler à l'insurrection, à la désobéissance? Est-ce que tu l'as une fois vu soutenir les régimes militaires où chaque jour on insulte la Côte d'Ivoire, on dénigre la Côte d'Ivoire? Mais ce sont des patriotes. La Côte d'Ivoire, c'est leur pays. Ils aiment la Côte d'Ivoire. Tu ne les as jamais vus humilier la Côte d'Ivoire. Mais toi, sous les pas, tu humilies la Côte d'Ivoire chaque jour. Aujourd'hui, tu es devenu ami à Ibrahim Traoré. Tu es devenu ami à Assimi Goïta. Tu es au Niger. Mais c'est sur toi, en Guinée, tu n'es pas trop engagé. Tu es avec les autres, les trois autres pays. Et tu allumes chaque jour la Côte d'Ivoire. Tu traites les autorités, les militaires, les policiers. Tu attaques tout le monde. Tu n'as pas de respect. C'est pour ça que tout le monde est ensemble. Hein? Ah, mais oui, c'est de ça. Il faut laisser les autres côtés. Et les... Moi, je ne parle pas de ça. Je dis, si ta mère est ivoirienne, et que tu t'attaques à la Côte d'Ivoire, tu délivres la Côte d'Ivoire, tu es sud de mon pays, je vais te montrer chez toi. Donc je suis avec toi, ça c'est clair. Comme tu es mal éduqué, tu es impoli, sous le mois de Sasso, je te demande d'aller chez toi, chez ton père en Guinée. Quand je suis français. Oui, tu es français, mais explique aux gens, il faut dire oui, ton père, c'est vrai, c'est un ancien combattant. Quand il y a eu les événements de 2000 ou quoi là, on a profité, on t'a mis de 43e bimba, puis on t'a fait partir en France. Tu vois que les informations tombent. Chaque jour que les informations, ton père et tes frères. Parce que ton père était ancien combattant quand il y a eu la crise à Boaké, tout ce qui s'est passé, comment on t'a fait sortir de la prison, c'est toute une histoire où je ne peux pas rentrer dedans. Comment, comme ton père était ancien combattant, comment on a pris. Mais ce que tu réunis, il réunit toujours, c'est que tu n'arrives pas à accepter que ton père est guinéen. C'est ancien combattant là qui t'intéresse. Mais il faut accepter que c'est un guinéen avant d'être ancien combattant, il est guinéen. Avant d'être ancien combattant, ton père est guinéen. Si tu reconnais ça, mon avance. C'est ce que moi je te demande personnellement. Faut pas rester mon ancien combattant, mon père est français. Non, ton père c'est un guinéen. Il est mort guinéen. C'est en France que tu l'as enterré. Ton père c'est un français, c'est en France que tu l'as enterré. Ton père a été enterré ici sur le sol ivoirien. Sur la terre de moi, mes ancêtres. C'est là où on a enterré ton père. Alors que Guinée, et puis là, c'est pas loin. Guinée là, c'est pas loin. Quitter à Niakara, aller en Guinée, c'est pas loin. Maintenant, tu as grandi. Moi, ça soit, je te mets en mission. Comme tu es inconscient, tu es irresponsable, moi, je t'invite d'aller prendre la tombe de ton père, puis tu envoies ça en Guinée. Parce que toi, tu appelles à la guerre en Côte d'Ivoire. Plusieurs fois, je vous demande ici, vous les imbéciles qui soutenez Soro, je vous ai dit ici, quel est le bilan de la rébellion de Soro? Vous n'arrivez pas à me répondre. Non, c'est Ouattara. Mais le président Ouattara s'en fout de Soro. Il n'est pas à son niveau. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Soulé, il faut reconnaître que ton père, là, c'est un guinéen. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je te demande. C'est ton père. Tu ne dois pas le renier. Tu ne dois pas le renier ton père. Tu ne dois pas le renier. Il ne faut pas aller insulter. Tu allais insulter ma soeur. Elle a fait quoi? La dame l'a fait quoi? Celle-là, elle a fait quoi? Tu t'en fais vidéo, insulter. Mais tu n'as pas affaire à elle, tu as affaire à Zasso. Petit Soula de Paris, Soulé de Paris. Paris, là, c'est le nom de ton père guinéen, là. Mais toi, tu fais pitié, hein? Tu fais honte au guinéen. Tu te lèves, tu t'en vas insulter la dame. Quand on te dit ton père est guinéen, pourquoi ça te fait mal? Mais ça aussi, c'est le panafricanisme. Toi, tu dis, tu te bats pour que l'Afrique soit libérée. Mais d'abord, pour libérer l'Afrique, il faut reconnaître ton père d'abord. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu vas libérer quelle Afrique? Si tu dois libérer l'Afrique, c'est Guinée, chez ton père. Où il avait voulu faire coup d'état, puis il a fui. Et il est venu se cacher en Côte d'Ivoire. Et puis, je vais te dire, Niakamadougou, là, il faut dire aux gens que à Niakara, là,
C'est chez ton père là qu'on faisait toutes les réunions. Toutes les réunions, c'est chez ton papa. Quand les dîners ont des problèmes, les dîners meurent, les réunions, toutes les réunions des dîners, c'est chez ton père qu'on faisait ça à Niakara. Est-ce que tu as dit ça à des gens qui te suivent? Mais il faut leur dire la vérité. Tout se faisait chez ton papa. Ton père, lui, il est mort guinéen. Et toi, tu es là, je suis français. Je suis français. Faut prendre France là, faut prendre français. Mais nous, on te ramène à terre. Avant de dire que tu es citoyen français, accepte que ton père était guinéen. C'est tout ce que je te demande. Ce n'est pas, c'est pas mal. Il y a des gens qui sont, qui viennent à sa soeur, c'est trop fort, c'est trop tentant. Il est mal éduqué. Il ne respecte pas sa mère. Il s'en fout de la terre de sa mère. C'est là qu'il est né. Il soutient monsieur qu'on appelle Sow. Mais Sow a fait couler le sang des gens. Vous pensez que cette histoire-là, c'est fini? C'est pas encore fini. Je vous ai dit, vous tous, je vous mets au défi. Sow ne sera pas président dans ce pays. Il n'a qu'à tourner, il n'a qu'à aller où veut. Allez-y, vous associez au Niger, Burkina, soutenez les putschistes. Mais ici, là, il n'aura pas de coup d'État. Il n'aura pas de coup d'État ni rébellion. Peut-être que, bon, comme vous avez fait des bêtises dans ce pays, vous avez peur. Sinon, si c'est moi là-dessous, j'allais te dire, rentre à Abidjan. Tu vas voir la Côte d'Ivoire. Regardez Bouaké. Aujourd'hui, Amadou Koné est en train d'arranger Bouaké. Bouaké, si tu arrives au Bouaké, façon souvent à détruire Bouaké. Il allait prendre les résidences des gens, lui et ses amis. Ils ont arraché les maisons des gens à Bouaké. Je suis allé à Bouaké, mais l'âme coulait. La deuxième belle ville de la Côte d'Ivoire, Sow a détruit ça en 8 ans. C'est ce Sow-là qui va, parce que ça veut dire qu'il doit venir être président, mais c'est qu'on est bête, c'est qu'on est tellement inconscient. Ça dit que nous-mêmes là, on n'a plus rien dans la tête. Donc c'est Sow-là qui a détruit Bouaké, le nord, partout. Sa rébellion, il n'a pas fait ça à Ferke. Il a protégé ses parents de Ferke. Mais c'est les autres là qui l'ont tué. C'est ce qui nous fait mal. La rébellion là, il faut regarder Bouaké. Il pouvait s'installer à Ferke. Pourquoi il n'a pas fait sa base à Ferke? Il est venu chercher là où il y a les ressources, où c'est bien là. C'est là-bas qu'il est venu s'asseoir. Et il a détruit la ville de Bouaké. Et vous nous avertez. À cause de Sow, vous allez nous insulter. Notre Côte d'Ivoire ne se limite pas à Sow. Et puis quand tu as fait rébellion, il faut assumer d'aller en prison. On lui dit, il a volé, il a pris, comme on appelle ça, notre maison. Mais c'est l'argent du contribuable qui a payé cette maison. Il prend ça à 2 milliards, il va réhabiliter ça à 2 milliards. Et il dit, Gbagbo m'a donné maison. Gbagbo a construit combien de maisons? Puis toi, il va te donner maison. Gbagbo, là, lui, il a construit combien de maisons pour que toi, Sow, là, il te donne maison. Gbagbo travaillait où? Il était simple professeur. C'est lui qui va prendre, il va aller prendre une maison et puis il va dire Sow tiens parce qu'il est président. C'est du n'importe quoi, il n'a même pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Et ton Sow se plaint, Gbagbo m'a donné maison, Gbagbo m'a donné maison. Regarde-moi ça. Pendant 8 ans, toi, Gbagbo, vous êtes passé dans le pays là, vous êtes battu dans ce pays. Vos armées se sont battues. Des milliers d'Ivoiriens sont morts. Gbagbo se lève un matin, toi, John Sow, tu es notre premier ministre. Sow, c'est nous. Demande à Mamadou Koulibaly, il va te dire. La loi d'amnistie de Sow, l'ordonnance que Gbagbo a pris, c'est nous, on allait à l'Assemblée nationale. Moi, mes gars, Dieu n'est pas d'accord. On allait chez Mamadou Koulibaly. On dit, cette loi-là d'amnistie, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Il faut que les députés se prononcent sur ça. Ils ont dit niet. Le camp Gbagbo a dit niet. Gbagbo a pris une ordonnance pour amnistier Sow et ses amis. Ce sont les conséquences aujourd'hui qui sont là. Gbagbo n'a pas voulu faire justice. Gbagbo n'a pas voulu faire justice, ce sont les conséquences qui sont là. Si Gbagbo avait arrêté Sow, qu'il avait mis Sow en prison, Sow ne serait jamais aujourd'hui rebelle. Parce qu'aujourd'hui, pour lui, il a été premier ministre, il a atteint un niveau, donc il va devenir président de la République. Il va venir gouverner les assos. Les assos qui ont perdu leurs parents. Nos parents qui ont souffert dans leur chair. On les a attachés, on les a ligotés, on les a égorgés. Sow va devenir président et nous, les assos, comme nous, on ne connaît rien, on va s'asseoir là et on va venir applaudir. Sera président. Quoi? Alors que vous vous battez. Non, nous sommes des démocrates. Mais la démocratie, c'est la justice. Quand tu as fait une rébellion, mais tu dois assumer. Tu dois assumer. Il prend une maison des gens, on dit que ce n'est pas sa maison. Il dit, Ouattara, maison, que Gbagbo m'a donné, Ouattara m'a arraché. Mais le président Ouattara, c'est un démocrate. C'est un intellectuel, il a travaillé pour avoir sa vie. C'est trop facile pour toi. Toi, tu as fini de faire rébellion. Tu as pillé les ressources, tu as investi au Burkina, à Ouagadougou. Et tu vas venir maintenant prendre maison en Côte d'Ivoire. Mais attends,
Et tu vas venir prendre une grosse villa comme ça, tu vas venir t'asseoir dedans. Et on te dit, viens, tu vas aller devant la justice, le procureur t'appelle, toi tu fuis. Adou t'appelle, toi tu fuis. Adou t'appelle, tu fuis. Mais tu viens, tu dis Adou, ah, voilà, 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 tu t'assois. Et nous tous, on suit le procès. Mais il se promène. Il est en train de planifier des coups d'État. Il planifie des choses. Dites-lui que Zazo dit, il n'a qu'à abandonner ce projet-là. Ce projet de coup d'État, rébellion, il n'a qu'à abandonner. Pays-là, on a sécurisé. Hein. Aujourd'hui-là, regardez les Tiam. Ils sont en train de se battre pour un président du PDC RDR. Soule, je fais partie des gens qui ont dit au cadre du RDR. Soro-là, enlevez-le. Ils ont voulu créer un poste de vice-président au RDR pour confier ça à Soro. Moi, je leur ai dit la vérité. J'ai dit Soro-là, normalement, il ne doit pas être au RDR. Soro ne doit pas être au RDR parce qu'il a été à la tête d'une rébellion. Donc, ce n'est pas lui qui va être au RDR. Ça va salir notre image. Je leur ai dit ça de façon sincère. RDR, là, quand vous parlez souvent RHDP, RHDP, moi je serai. Moi là, je suis enfant de chef du village. Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Non, nous, on n'est pas pressé. On défend notre pays. Nous, on n'est pas pressé. Hein. Nous, on défend notre pays. Parce que quand vous parlez, moi, je vous vois rire, je vous regarde, moi, je ris. Moi, je défends la terre de mes ancêtres. Côte d'Ivoire, c'est pour nous. On n'est pas pressé. Soulève. Il faut que tu arrêtes d'insulter les femmes pour rien. Tu as affaire à moi. Il faut arrêter d'insulter les enfants, les femmes. Tu vois, j'ai eu honte. C'est quand j'ai vu une vidéo où tu insultais la dame. J'ai eu vraiment honte. J'ai eu honte. J'ai dit, ah, c'est ce politicien-là. On va terminer ta vidéo. Tous ces gens, les mamans, nous tournent tout. Mais on a dans un autre débat. Et même compris des armes. Et qui ont tué les Ivoiriens. Mais lui qui a pris les armes, qui a tué les Ivoiriens, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro. Quand les Ibé ont pris la rébellion, quand les Ibé sont rentrés à Boaké, il n'y a pas eu de mort. Soure, il n'y a pas eu de mort. C'est quand Soro a pris la tête de la rébellion qu'il y a eu des morts. Soro n'a jamais été l'homme du président Alassane Ouattara. Jamais. Moi, je peux mettre ma main dans le feu. Je sais ce qui s'est passé. Quand Soro était avec Gbagbo, les pics qu'il envoyait au président Ouattara, c'était trop. Le combat de Soro, c'était de déstabiliser le président Ouattara à la tête du RDR. Soro a mené Gbagbo, les nominations, la mettre Bakayoko, les quoi, à un certain moment donné. Mais c'est à cause de Soro que Gbagbo les a levés dans le gouvernement. Parce que Soro voulait récupérer le RDR. C'est nous là, nous les assos là, les Loukou Janou, les Boué Ange, c'est notre groupe là, les Monnaies là. C'est nous, on organisait la conférence de presse pour attaquer Soro, pour répondre à Soro. Quand on dit au RDR, il y a des gens qui ne jouaient pas à Soro, là, c'est nous. Nombre de nos cadres ne voulaient pas. On dit, ben, si vous ne voulez pas laisser, comment là, nous, on va faire? Parce que Soro ne peut pas être à la tête d'une rébellion. Il ne peut pas être premier ministre de la Défense et puis va se foutre du président Ouattara. Les attaques de Soro contre le président Ouattara, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Peut-être que c'est vous qui ne savez pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Soro a toujours rêvé prendre la tête du RDR. Non, il est toujours dans sa logique. Lui, il veut remplacer le président Ouattara. Aujourd'hui, là, il y a des cadres qui sont là, ils ne peuvent pas répondre à Soro. Parce qu'ils ont mangé un Soro. Ils ont mangé un Soro. Beaucoup même là, ils sont, ça y est, jusqu'ici, ils ne peuvent pas. Donc, tout ce que vous faites là, quand vous parlez là, est-ce qu'ils parlent? Ils sont tous là, ils sont bien. Ils ont les moyens, ils sont riches, ils sont puissants, mais ils ne peuvent pas défendre la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas défendre et il ne peut pas accepter qu'on mette en place un système pour défendre le président Ouattara, pour défendre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous qui êtes en, tu soutenez les pushistes là, vous êtes plus puissants que nous. Parce que les pushistes, ils vous donnent or, ils vous donnent l'argent, ils vous partagent tout, vous partez là-bas. Donc quand vous parlez qu'à quoi, vous avez raison. Au sein du RHDP, nous sommes en train de nous battre pour que Dieu nous donne des hommes dignes, sérieux, qui demain, qui veulent vraiment faire la politique et qui, demain, après le président Ouattara, vont continuer le travail du président Ouattara. Ça, c'est mon combat. Notre combat, c'est ça. Que Dieu nous donne des hommes sérieux au sein du RHDP, qui veulent vraiment fédérer les Ivoiriens, faire la vraie politique pour continuer le travail du président Ouattara. C'est ça, mon combat. Mon combat, c'est pas de faire plaisir à quelqu'un. Parce que moi, je ne peux jamais accepter que Soro vienne, Soro,
Soro, c'est pas Soro, non. Quand vous parlez de Soro, là, c'est parce que nos cadres ne veulent pas faire la politique. Ah oui, et tout cela, tu vois, c'est sur le président Ouattara, il compte. Ils ne veulent pas faire politique. C'est pour ça que vous êtes là, Soro, 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 Soro. Parce que nombreux d'entre eux ne veulent pas faire la politique. Vous attaquez la Côte d'Ivoire, vous insultez la Côte d'Ivoire, on ne peut pas vous répondre. Vous êtes dans des pays européens, vous dénigrez la Côte d'Ivoire, personne ne peut agir. Mais nous là, nous les dignes fils, là, nous on va vous répondre. Ça là, faites-moi confiance, nous nous sommes là, on va toujours vous répondre. Les Johnny Pacheco qu'on les vont te répondre. Les Lagui vont te répondre, les Gouza vont te répondre, les Assos vont vous répondre. Nous on ne va pas se laisser faire. Les autres peuvent jouer aux hypocrites, ça c'est leur problème. Tu penses que si nous on avait les moyens que vous avez là, dans la sous-région là, il n'y a pas quelqu'un qui va insulter Ouattara. Il n'y en a pas. Parce que les pays que les fracleurs n'y a ici partout, là, c'est la même chose qu'on allait faire. Mais comme on est dans un système où les gens ont pris le RDR, c'est-à-dire le RHDP en otage, ils sont assis là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont là, on agresse, on attrape nos soldats. Il n'y a pas quelqu'un qui va brancher. On dit que les soldats sont des mercenaires. Eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui vont grouiller pour aller chercher les Maliens pour venir faire concert. Pendant que, tandis que quand on insultait nos gendarmes, on nous traitait, nos soldats de mercenaires, de tous les noms. On insultait Ouattara, ils ne parlent pas. Ils vont aller prendre beaucoup d'argent pour aller financer les concerts des Maliens, des Burkinabés. Ils vont dire venir en Côte d'Ivoire. Alors qu'on insulte Ouattara, hein, on insulte la Côte d'Ivoire, ils ne branchent pas tous. Nous là, nous qui défendons le pays là, c'est nous en combat. C'est nous qui sommes combattus au sein du RHDP. Mais on est là, nous on n'est pas pressés. Nous on est là, on les regarde. On les regarde, nous on n'est pas pressé. Donc quand vous parlez là, sachez que j'attends. Hein, tout ce que vous dites là, j'attends. Oh. Ah non, au lieu de m'attaquer si les terrains politiques. Toi tu fais quelle politique et puis nous on va t'attaquer sur le terrain politique. Toi tu fais quelle politique et puis moi Zasson je vais t'attaquer sur le terrain politique. Ils sont allés attendre mon père, aller prendre des photos que je n'ai pas voulu envoyer à ma mère, à Fushibama, avec beaucoup d'émotion. Alors que sa mère vit. Ta maman vit et tu appelles à Fushibama ta maman. Alors que ta mère vit. Tu es un grand garçon, tu connais ta propre mère. Tu connais ta maman. Il ne faut pas appeler à Fushibama ta maman. Donc, Soulet, je voulais juste te rappeler que c'est chez ton père que toutes les réunions des dîners se faisaient à Niakara. Les réunions de dîner, là, c'est chez ton papa que tout se faisait. Ton père a tenté un coup d'état, c'est un ancien combattant. Il a tué la Guinée, il voulait renverser, comme on appelle, le président Sékou Touré. Il est venu rester à chose ici en Guinée, en Côte d'Ivoire. Il a marié ma soeur. Voilà. Tu as vu? Quand je dis tu es sale, pourquoi quand on dit tu as violé la fille, puis tu as fui, tu ne parles pas de ça? C'est à cause de viol, on t'a mis en prison, mais pourquoi tu ne parles pas de ça? Reviens sur ça. Tu as fait la prison à cause du viol, mais pourquoi, Soulet, tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Dans tes vidéos, il faut parler de ça. Tu es guinéen, il n'y a pas à faire de dire si. Moi, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Il y a des gens qui m'appellent là. Non, ça, c'est ça là qui a envoyé la guerre. C'est pas là qui a envoyé la guerre. Les gens voulaient faire leur guerre, c'est pour ça qu'ils ont fait leur guerre. Arrêtez d'emmerder les gens avec ça. Arrêtez d'emmerder les gens avec ça. Aujourd'hui, Soro se promène partout. Il est en train de parler, on l'entend. Donc je ne veux plus que quelqu'un revienne ici pour dire non, ça fait d'ivalité, ça cause de l'homophobie, c'est pas vrai. Soro a tué nos parents, Soro parle aujourd'hui. On l'entend. C'est pas ça qui a envoyé la guerre. Les gens voulaient faire leur guerre, ils ont fait leur guerre. Nos parents sont morts, mais tôt ou tard, il y aura justice. Il aura justice. Que personne ne m'emmerde avec ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous voyez ces fils-là, de ces gens-là, de ces cacas-là, insulter la Côte d'Ivoire. Ils vont s'asseoir, ils vont insulter Zasso. Ils vont attaquer ma famille. Ils vont m'attaquer. Ils vont tout dire. Personne ne parle. Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est normal. Et ils sont nombreux comme ça quand ils viennent m'attaquer. Vous êtes contents. Mais le jour où je m'assois, ah non, Zasson, il ne faut pas dire ça, Zasson, c'est fort, Zasson, c'est comme ça, Zasson, c'est ceci. Hé, hey, moi, maintenant, je ne pas, hein. On ne joue pas à moi.
Si tu me réponds, je vais te répondre. Moi, je ne laisse pas pour moi. Moi, là, mon palabre, ça ne finit pas du tout. Si tu as commencé, là, on va terminer. Moi, je suis dans le village. Moi, je suis né à Tchédjéré. Mon village, c'est Tchédjéré. Dites ça à Soule, que moi, mon village, là, c'est Tchédjéré. Mon père est bêté de père et de mère. Ah, mais oui, ma grand-mère est de Kakredou. Mon père est de Tchédjéré. Je suis ivoirien 100%. Je suis pas. Non, non, non. Mes origines, mes grands-parents, je suis de Gagnoise. Pure bêté de Gagnon. Tu peux rien me faire. Je ne suis pas hypocrite. Si je vais te dire quelque chose, je vais te dire ça. J'ai dit, tu es un guinéen. Tu es un guinéen. Il ne faut pas nous distraire. Navi, il a tant que tu ne respecteras pas la Côte d'Ivoire, tu ne respectes pas le président de la République, je viendrai te dire sous les vaches toi en Guinée. Tu nous emmerdes. Notre grand-sœur fait ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, va rejoindre ton père, prends sa tombe, vous tous, allez-y, et vous nous emmerdez. C'est le moment pour qu'on vous dise la vérité. Moi, je ne vais pas tourner autour des choses. Hein. Trop, c'est trop. Tu as fait vidéo, tu as venu t'attaquer à moi chaque jour. C'est toi qui m'as mené dans la politique. Et tu as resté là, c'est eux qui ont fait la rébellion. Moi, je n'ai pas fait rébellion. Hein. Moi, je te dis la vérité. Hein. Moi, j'ai connu le président Ouattara en 2007. En 2007. Je n'étais pas d'accord avec la politique de Babou. Quand la rébellion attaquait la Côte d'Ivoire, j'ai défendu mon pays. Quand la rébellion attaquait la Côte d'Ivoire, j'ai combattu la rébellion de Soro. Moi, j'ai combattu la rébellion. Parce que mon pays, d'abord. La Côte d'Ivoire, d'abord. C'est le café, cacao. Toi, ton père, là, quand il venait là, il prenait plus partir en Guinée. Il va investir chez lui. Voilà ce qui nous a laissé. Un imbécile comme toi, saoulé. Mal éduqué, tu n'as aucun respect. Tu n'as aucun respect. Tu violes les femmes. On a cassé prison, tu es sorti de la prison. On dit, on s'en va, elle est française. On dit, ton père, ancien combattant, on est parti avec toi. Ok, d'accord. Mais tu sais comment tu es arrivé en France. Mais quand tu as connu tout ça, mais sur les réseaux sociaux, il faut quand même être humble. Il faut être humble. Quand Soro faisait sa rébellion, là, toi, tu n'étais pas à Boaké. Toi, avec ton imbécile d'amiral blindé là, dites-moi où vous êtes édité. Tu n'étais pas dans l'équipe de Soro Diop. C'est vrai, il a créé une crise qui t'a fait sortir de la prison. Je comprends ta solidarité à Soro. Parce que ton combat, tu es solidaire à Soro parce que Soro t'a permis de sortir de la prison. Grâce à Soro, tu es sorti de la prison et tu es arrivé en France. Ça, là, cette solidarité-là, si ça veut dire ça, tu soutiens Soro, on peut te comprendre. Mais il faut dire la vérité. Mais c'est un moment aussi, il faut nous respecter. Il faut nous respecter. Nous, on mérite respect. La crise de la sous-région, là, ça ouvre mes yeux à moi, là. Mali, Burkina, Guinée, moi, je dis, je salue leur combat. Moi, je mène mon combat. On est nombreux, hein. Beaucoup sont assis là, ils observent, mais on est nombreux, hein. On est nombreux. On va maintenant protéger notre pays. Contre vous, ces enfants adoptifs, impolis, mal éduqués, on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Explique aux gens comment tu es arrivé en France. Il faut expliquer aux gens. Je veux que tu fasses une vidéo, dis aux gens comment tu es sorti du Niakara et tu t'es retrouvé en France. Je te mets au défi. Toi, tu dis que tu ne veux pas publier la carte d'identité de ton père, mais tu publies la carte d'identité de Dia. Tu vas faire des montages, tu me rends gros, tu fais des trucs, tu nous humilies, t'apprends toi, t'attends de nous dénigrer. Mais présente la pièce de ton père. Ce que nous on a là, ça nous suffit. Hein. Le certificat de nationalité, ton extrait de naissance, nous ça nous suffit. Ton certificat de nationalité, ton extrait de naissance, nous ça nous suffit déjà. C'est toi-même qui allais faire tes papiers, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu as pris le certificat de nationalité de ton père, il n'est pas écrit français dedans. Ton père, là, si son certificat de nationalité n'est pas écrit français, il est écrit guinéen. Quelqu'un guinéen. C'est de ça qu'il s'agit. On vous dit de reconnaître vos parents sont vivants, on vous montre chez vous. C'est vous qui êtes là, c'est xénophobie. Malheureusement, il y a Assimi Goïta qui nous insulte matin, midi, soir. Et ils ont pris nos soldats ici, ça aussi c'est ivoirité, c'est xénophobie. C'est une haine contre nos soldats. Ils ont traité nos soldats de tous les noms, nos frères ont dit c'est quoi des terroristes. Ce sont des mercenaires. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ils ont insulté la Côte d'Ivoire fatiguée. Même au sommet de l'ONU, en train d'insulter la Côte d'Ivoire. Ils ne nous aiment pas. Et vous voulez qu'on les aime par rapport à vous?
Par rapport à quoi? Parce que c'est eux-là qui sont les seuls pays frontaliers. Les Maliens, les Burkinabés, là, les Guinéens, là, ils ne sont pas les seuls pays frontaliers. Nos frères même qui sont ici, là, qui les encouragent, là, c'est eux-là même, c'est à eux qu'on va bientôt parler. Parce que c'est à cause de vous n'avez pas de respect. Il y a des régions qui sont frontalières au Libéria, mais est-ce que vous avez vu ces régions-là toujours en train de se comporter de la sorte? Il y a un poisson ici qui est frontalier au Ghana. Au Ghana. Mais est-ce que vous voyez les Ghanéens là faire du bruit dans leur pays? Non. Mais si ce n'est pas Burkina, c'est Guinée. Si ce n'est pas Guinée, c'est Mali. Qu'est-ce qu'on a fait? On en a fait quoi? Parce que parmi nos frères, c'est nous faux. Il y a certains qui s'appellent, comme il y a des Koulibaly au Burkina, il y a des Koulibaly tant, il y a des Koulibaly ici, il y a des Traoré ici. Les frontières là nous ont délimité chacun à son pays. Tu m'attaques, je t'attaque. Moi, je dis la vérité. Tu attaques mon pays, j'attaque ton pays. Les frontières sont tracées, chacun protège là où il est. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Ils font leur coup d'état et il ne faut plus aimer ma bouche d'état. Ils m'ont insulté, on est cyberactivé, ils m'insultent. Chaque jour, ils m'insultent. On dit, non, moi, je ne parle plus de leur pays. Mon pays, là, celui qui attaque mon pays, je vais te montrer chez toi. Et ce n'est pas mal de dire, va chez toi. Quand on vous dit, allez-y chez vous, là, allez-y chez vous. Ça vous fait mal, Barbara, quoi? Quand c'est l'ivoirité, c'est xénophobie. Quand vous insultez la Côte d'Ivoire, chaque jour, vous traitez nos policiers de terroristes mercenaires, mais c'est grave que xénophobie. Quand vous insultez le chef de l'État, mais c'est une haine. Les vidéos que vous faites là, quand souvent moi-même je regarde, je dis, mais attends, c'est grave. Souvent je me dis, mais est-ce qu'on a des ministres des Affaires étrangères? Est-ce qu'on a ça pour vous canaliser quand même? Macky Sall a réussi à canaliser des cyberactivistes. Mais la Côte d'Ivoire, c'est... On est là, on est tel que nos pays. On est sur nos cadres, la personne ne peut parler. Ils sont riches, ils sont puissants. Ils ne peuvent pas mettre des systèmes de communication en place. Ils sont là, on délivre la Côte d'Ivoire. Ils ont pris la Côte d'Ivoire, ils sont assis sur ça. Alors que quand on était au RDA, on était puissant. Au RDA, en matière de communication, il n'y a pas l'homme devant nous. Mais nous-mêmes, les fils de la Côte d'Ivoire, qui voulons même nous battre pour nos pays, ils nous ont mis les puissants assis sur nous. Ils sont assis sur nous, il ne faut pas défendre le pays. On n'a qu'à rester là, de soulever aussi les enfants de caca, là, vont insulter la Côte d'Ivoire. L'amiral blindé va insulter la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On vous dit restez chez vous, vous pensez qu'on vous insulte, on ne vous aime pas. On vous a trop aimé, on ne peut pas passer toute notre vie à vous aimer. On vous a trop aimé, on vous a tout donné. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est le seul pays qui a plus de combien de millions de gens de la CEDEAO. Nous sommes, on a plus de, on peut lui mettre 30% dans le monde de taux d'étrangers sur notre territoire. Vous arrivez, même notre port, c'est rempli de Maliens, c'est rempli de Sénégalais, c'est rempli de Guinéens. Nos systèmes économiques partout, allez-y dans les communes, allez-y à 13 villes. Sur 10 magasins, 8 appartiennent aux étrangers. Le système, on a encore. Nos maires, ils sont assis là, on les voit, ils n'arrivent pas à changer. Ils sont là, non, les Ivoiriens sont paresseux, les Ivoiriens sont paresseux, parce qu'ils n'ont pas de système pour intégrer leurs propres frères. Donc, chers amis, allez-y dire à Soule que Zasso dit, il n'a qu'à faire une vidéo pour expliquer que gentiment par où il est passé, qu'est-ce qui s'est passé, puis s'est retrouvé, il est devenu français. Bon, son papa était ancien combattant, mais son père était ancien combattant, mais il est ancien combattant de la Guinée. Voilà. S'il vient de la Guinée, c'est écrit sur sa pièce d'identité. Ça est là, le certificat de nationalité. J'ai dit merci. Moi, j'avais tout ça au Soule. Tes documents là, j'avais tout ça, mais par respect pour toi, tes enfants, je ne parlais pas. Donc comme tu vas toujours loin, tu vas toujours sur les pailles des ans. Zasso, 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 sa maman, Zasso, Zasso. Attends, c'est quand même trop, c'est trop. Tu sais, tu pouvais, toi là, tu pouvais, toi là. C'est ceux là qui font que toi là, vous parlez. Sinon moi là, regarde, tu ne peux pas parler devant moi. Hein. Je n'accepterai pas. Que quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui est quitté au Burkina, tes parents sont quittés au Burkina, sont quittés au Mali, sont quittés en Guinée. Tu es né ici, sont quittés en tu es né ici, on t'a tout donné. Tu insultes la Côte d'Ivoire. Tu dénigres la Côte d'Ivoire. Je vous le jure. Vous allez aller chez vous. Là. On ne peut pas accepter le terrorisme. Ce que vous faites là, c'est du terrorisme. Restez hors du pays. Appelez à l'insurrection, à la désobéissance, au coup d'État. Vous soutenez même tous ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire. La coalition des putschistes. Vous souhaitez même qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais il y a eu une rébellion dans ce pays.
Il y a eu un coup d'État. Il y a eu des rébellions. Il y a eu des gens qui sont tombés. Les guerriers Robert sont morts. Les camarades H ont été tués. Nombreux Ivoiriens sont tombés. Aujourd'hui, c'est vous qui souhaitez la guerre, la guerre, la guerre, parce que vous n'aimez pas le président Ouattara. Mais c'est Dieu qui l'a mis là, c'est pas quelqu'un. Le président Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là. Et puis vous ne pouvez rien. Parce qu'il a le soutien de ses frères. Oussama Foué, c'est un choix de Félix Oufoué Boigny. Hein. Le père fondateur a 40 ans de stabilité. 40 ans de stabilité, s'il vous plaît. C'est Oufoué qui l'a mis là, c'est son fils. Le père du président Alassane Ouattara a mené, son grand-père a mené des luttes de compète. Ce que vos parents n'ont pas fait, lui, son père a mené des luttes de compète. Comme là, c'est la bataille des parents, des grands-parents d'Alassane Ouattara. Ouattara, là, c'est pas hasard. C'est vrai, il est mal entouré. Autour de lui, il y a trop de problèmes. Je sais et j'assume. Il y a trop de problèmes. Trop de cas, trop de tribalisme, trop de choses qui nous fatiguent, nous tous. Ça nous fatigue. C'est pour ça que vous parlez de Soro. Sinon, normalement, de là où le président Ouattara est là, mais on aurait déjà trouvé, c'est déjà qui allait le remplacer le président Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui, on est là, on t'attend, on ne sait pas qui on. Parce que entre eux là, les cadres ne s'attendent pas. Ceux qui sont quittés au PDCI, qui sont à RDR, c'est une bataille. C'est une bataille. C'est ce qui nous fatigue. Sinon, le président Ouattara, il a la place, il se reposait gentiment, il met quelqu'un d'autre. Celui qui va venir là, celui qui allait traquer Soro. Ce n'est pas la bataille à dire maintenant. Le président là, il a sa retraite. Il va aux États-Unis, il va partout. Moi, ça, je l'accompagne aussi. Parce que là, il a la retraite. Quand il sera à la retraite, les choses seront faciles. Donc, nous, on va aller l'accompagner. Il va mettre quelqu'un d'autre qui n'a plus rien à faire dans vos palais. Le président Ouattara va mettre quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir dans vos palais. Il vient prendre le pays. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. C'est les Ivoiriens d'abord. Il réhabilite ses frères, ses soeurs, il nous met tous ensemble. C'est tout. Soro va passer par où pour faire tout dedans? Il va passer par où? Il ne va plus venir dire, ah, non, c'est Ouattara, c'était Ouattara, j'avais fait ça pour Ouattara, et puis j'avais fait ça pour... Non! C'est pour ça que moi je suis pressé. On va trouver quelqu'un de sérieux, honnête, qui va venir s'asseoir demain, qui va continuer le travail du président Alassane Ouattara. Comme ça va fermer vos bouches. Définitivement. Le président va passer à autre chose. Il va passer à autre chose. À cause de vous, là, on est toujours sur les réseaux sociaux pour défendre mon pays. Quand les gens attaquent la Côte d'Ivoire, on cherche où est Johnny, où est Gouza, où est Sasso. Mais le parti a des gens que vous avez nommés. Hein. Allez-y maintenant, prenez vos gens et vont défendre la Côte d'Ivoire. Ceux à qui vous donnez tous les moyens, marché, financement, tout, donnez-les, ils vont défendre la Côte d'Ivoire. Vous les avez nommés. Ils n'ont qu'à maintenant défendre la Côte d'Ivoire. Nous, on est fatigués de répondre aux enfants des cancans là. Nous, on est fatigués. On est fatigués. À cause des comportements de cadres de nos partis, les Soulés n'ont pas de respect pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de respect. Diaby Lassine, qui avait commencé un bon combat à Paris, ils ont déstabilisé Diaby Lassine. Diaby Lassine, qui avait commencé à révolutionner les mentalités en Côte d'Ivoire, à Paris, il a commencé à faire des marées oranges. Ils ont déstabilisé. Et c'est un coup dans notre parti que les gens se donnent. Mais je leur dis toujours que le pays, le parti, là, ça doit pas être otage des clans. Et nous allons nous battre pour que ce RHDP soit libéré. Parce que tant qu'on ne libère pas ce parti, l'avenir sera difficile. Et moi, je vous dis la vérité, les choses seront très difficiles. Parce que c'est à cause de vous, là. Maintenant, Burkina, on nous insulte. Mali, on nous insulte. Guinée, on nous insulte. Niger, on nous insulte. Alors que nous sommes un pays fort, puissant. Mais quand ces sous-là nous attaquent, ces fils des gens qui sont de la sous-région nous attaquent, nos cadres là sont mieux, ils ne veulent pas qu'on parle. Quand tu vas demander à Dina, certains disent sont les enfants de Soumaourou Kanté, ils sont les enfants de Soudiata Keïta. Et ce sont les réponses qu'on m'envoie. Non, comme on est originaire de là-bas, comme on est originaire de ça, on s'en fout de ça. La Côte d'Ivoire a des frontières. Le Mali, c'est son Mali, le Burkina. Vous avez vos frontières, vous êtes des Ivoiriens. Vos parents se sont battus pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup sont morts pour la Côte d'Ivoire. Répondez aux Burkinabés, répondez aux Maliens, répondez aux Guinéens, répondez aux gens du Niger, n'ayez pas peur. C'est vous le parti dans tout. C'est vous qui avez tous les moyens dans le parti. C'est vous qui êtes fort, c'est vous qui êtes puissant. Défendez le pays.
Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on est dans un monde de communication. On est dans un monde de communication. On est dans un monde de communication. Voilà, sur là, sa page là, c'est sponsorisé par l'Assimi Goïta, par l'Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, ils vivent de ça. C'est de ça qu'ils vivent leur couple. Ils ont des mamans ivoiriennes. Et puis, ils forment un bloc derrière le Burkina, derrière la Guinée, derrière le Niger. Et ils attaquent la Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes qui sommes là, dans notre système, on ne peut pas réagir. Et ils prennent nos passeports, ils ont les passeports ivoiriens. Ils ont les documents ivoiriens. Et on dit non, il y a des Ivoiriens même qui soutiennent Assimi Goïta. Il y a des Ivoiriens qui soutiennent Ibrahim Traoré. Quel Ivoirien sérieux qui va soutenir Ibrahim Traoré? Quel Ivoirien sérieux qui va soutenir Assimi Goïta? Quel Ivoirien sérieux qui va soutenir Tchani? Ou Mamadi, l'oncle de le frère de Soule de Paris? Quel Ivoirien sérieux qui va le soutenir? Il faut qu'on soit sérieux. Alors, chers amis, donc, dites à Soule en conclusion. Il n'a qu'à arrêter d'insulter les femmes. Même s'il n'a pas encore compris qu'il avait violé une fille ici à Abidjan. Il avait violé une fille. Les documents sont là. Quand il y a eu la crise, il y a eu des commissariats, il y a eu des choses. Mais quelques éléments, nous avons quelques éléments. Il ne faut pas avoir pensé qu'ils ont tout effacé, ils ont cassé les commissariats, les palais de justice, les prisons. Vous êtes sortis. On a envoyé 43, on t'a arrangé, on allait te déposer en France. Parce que ton père, ancien combattant, d'accord. Mais ton père, il est toujours resté guinéen. De grâce, il faut laisser côté France. Il faut laisser même la nationalité française. Parce que tu dis, tu veux mener le combat. Tu dis, tu es panafricain. Qu'on ne peut pas être panafricain et puis s'accrocher à la nationalité française. Quand on est panafricain, on vient chez ses parents en Afrique. Regardez les grands révolutionnaires de l'Asie. Mais ils sont rentrés chez eux. Ils sont retournés chez eux. Vous, vous êtes assis chez les Blancs. Le système s'occupe de vous. Le système vous donne tout. La France vous donne tout. Les États-Unis vous donnent tout. Ah, c'est les impérialistes, c'est les capitalistes. Alors que vous êtes assis là-bas. Vous n'êtes pas sérieux. Sincèrement, vous n'êtes pas sérieux. Et votre combat ne va pas aller quelque part. Moi, je vous dis ça toujours. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Moi, je ne peux pas combattre la France et puis je m'assois en France. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec la France. C'est un système impérialiste. Je m'en m'assois à Guinée. Je prends mes bagages. Je m'en m'assois à Guinée. Chez mon frère, Mamadi. Et Mamadi et moi, on fait des plans. C'est tout. Voilà. Donc, Soule, tu n'as rien à me dire parce que tu as violé une fille, toi et tes amis. Vous avez violé une fille. Tu sais comment tu es parti. De grâce, dans tes vidéos, là, il faut enlever mon nom. Il ne faut plus parler de moi. Hein. Sinon, la décision, tu t'as condamné là. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux si tu ne fais pas attention. La décision, tu t'as condamné quand tu as violé la fille là. La jeune fille que tu as violée, tu as souffert dans sa chair. Tu sais comment tu as quitté la Côte d'Ivoire, Soule. Allons doucement. Soule, allons doucement. Allons doucement. Allons doucement. Je ne veux plus jamais te voir m'attaquer. Je ne veux plus. Moi, je suis ivoirien. Hein. Mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne. Celui qui n'a pas d'accord, c'est son problème. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et je défendrai mon pays au risque même de ma vie. Ce que nous faisons là, c'est nos vies que nous mettons en jeu. C'est nos vies là que nous mettons en jeu. Johnny qui est là, l'a demandé lui, il gagne quoi? Gouza gagne quoi? Lagila gagne quoi? C'est parce qu'on aime notre pays qu'on défend notre pays. Ceux même que le pouvoir enrichit, ils sont là, allez-y les attaquer, laissez-moi tranquille. Les gens puissants du parti, ils sont là. Vous vous connaissez entre vous là-bas, c'est vous qui vous parlez. C'est vous qui savez d'où l'autre vient ou l'autre ne vient pas. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est toi, Soule. Le jour où tu arrêtes de faire des vidéos contre ma personne, on avance. Si tu veux qu'on revienne sur le terrain politique, mais moi, je suis déjà sur le terrain politique. Moi-même, là, c'est terrain politique. Depuis, je fais vidéo là. Mais c'est politique. Est-ce que j'ai une fois insulté maman de quelqu'un? Est-ce que j'ai une fois attaqué la famille de quelqu'un? Non. C'est mon pays que je défends. Mais vous refusez que je défende mon pays. Ah, il est mendiant. Ouais, là, ce pays n'est rien. Les gens ne t'aiment pas. Les gens sont... Mais tout ce que vous dites là, moi, je sais. Moi, je suis enfin le chef du village. Je ne coupe pas.
y a eu Foué Boigny, il y a eu Bambo, il y a eu Bédier, il y a eu Kéi. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara. Là. Demain, quand il va finir sa mission, il va prendre sa retraite, on va mettre d'autres personnes et puis on continue. Non, je ne sais même pas pourquoi vous êtes pressé. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. Vous allez faire des vidéos chaque jour, c'est pour m'insulter. Il y a quoi? Je ne suis pas celui qui nomme au RDR et au RHDP. Au RHDP, c'est lui qui nomme là, c'est le président Ouattara. Quand Amadou Gon et Ahmed vivaient, quand moi j'étais au RDR, c'est Amadou Gon, Ahmed et puis Amon Tano. C'est les trois là qui m'ont proposé. Amadou Gon est mort, Ahmed est mort. Alors vous voulez qu'il fasse quoi? Je vais aller torturer les gens pour qu'on me nomme? Non. Je vais aller les torturer pour qu'on crée les conditions pour que je travaille pour le parti? Non, je ne peux pas les torturer. Ils sont dans leur système, nous on les regarde. Mais seulement, je vais toujours les interpeller. Parce que Soro et ses amis sont hors du pays. Avec tout ce qui se passe dans la sous-région, moi c'est de toujours interpeller les cadres du RHDP. Parce que moi aussi, souvent je suis un tiers. Parce que quand je les vois, les cadres là, je suis un tiers. C'est-à-dire quand je regarde dedans, il y a quelques éléments. Mais ces éléments-là, quand demain tu vas dire, réveillez-vous, les gens vont former des petits groupes, on va les déstabiliser. C'est ce qui nous fait peur. C'est ce qui nous fait peur. Et on va les déstabiliser. Entre nous, on se déstabilise, on se fragilise, parce qu'on n'a pas d'ambition. Alors que le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à un niveau qui devait faire de sorte qu'on ouvre déjà les yeux. Mais malheureusement, on n'arrive toujours pas. Regardez dans les nominations. Regardez comment les choses fonctionnent. C'est triste, mais soudain. Donc, ne revenez pas, laissez ce côté-là. Laissez ce côté, moi je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, il faut retourner chez toi. Ceux qui te soutiennent, il faut leur dire que ça soit à raison. Ils me demandent d'aller chez mon père. Il faut aller chez ton papa. Moi, je marche chez moi. Moi, je n'ai pas honte d'aller chez moi. Moi, je suis toujours chez moi. David, on est tous en Europe, hein, mais je suis le seul. Chaque jour, je suis chez moi en Côte d'Ivoire. Chaque jour, je suis chez moi en Côte d'Ivoire. Moi, j'aime mon pays. Si ma mère était ghanéenne là, je n'allais même pas suivre ma mère. Je vais une fois en vacances, je suis dans mon pays. Je vais une fois en vacances, je suis chez moi. Un garçon doit trahir son père. Là où le père est, c'est là le garçon doit être. Là où le père est là, c'est là le garçon doit être. Mais toi, tu es là, tu es fier de dire ta maman est ivoirienne, ton père ancien combattant, mais tu ne veux pas dire aux gens que ton père est un ghanéen. Alors que si ton extrait de naissance, ton certificat de nationalité, tu dis non, je veux. Mais il faut publier le passeport, la carte de ton papa. Publie ce que tu veux. Nous, ce que nous, on sait, qu'on sait de nationalité, nous, à tout du monde. Si tu veux faire que français, c'est ton problème. Et tu n'as même pas honte. Je suis français. Je suis français. Toi, panafricain. Toi, panafricain. C'est parce que tu es français que tu n'as pas de respect. Il faut combattre. Mais. Il faut dénoncer le système français. Tu es en France, mais dénonce le système français. Est-ce que tu es obligé toujours de t'attaquer à la Côte d'Ivoire? Il y a des problèmes en France. Il y a beaucoup de choses en France. Mais pourquoi tu n'attaques pas la France? Il y a des problèmes en France. Soudain, fais des vidéos et puis attaque le système français. Le président Ouattara vous a fait quoi? La Côte d'Ivoire vous a fait quoi? Bande d'ingrats. Des fils adoptifs très ingrats, malhonnêtes. Des fils adoptifs très très ingrats et malhonnêtes. Ton père est mort ici, on l'a mis ici, il est dans nos terres, et toi tu nous insultes. Alors que le corps, la tombe de ton père est en Côte d'Ivoire ici, et toi tu attaques la Côte d'Ivoire. La tombe de ton père n'est pas en France. La tombe de ton père, là, ça y est en Côte d'Ivoire. Donc tu dois respecter la Côte d'Ivoire. Et puis nous sommes tes oncles. Moi, Zasso, si tu m'as pas là, tu dois dire tonton Zasso. Tu dois dire tonton Zasso. Tu dois dire tonton Zasso. Nous tous là, nous sommes tes tontons. Tu vas faire vidéo, tu vas insulter les gens. Tu vas dénigrer les gens. Tu vas insulter les gens. Et tu as dit non, il y a quand il y a un camarade qui est ceci. Quand il y a un camarade là, c'est une patriote. Elle aime la Côte d'Ivoire. Tous ceux que tu cites là, ils aiment la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara là, il n'est pas burkinabé. Moi, je vous ai dit ça. Le président Ouattara là, il a la même histoire que le roi de Krediabo. C'est parce que les gens ne vous parlent pas. Mais moi, j'ai fouillé. Si c'est la vie du président Ouattara, là, moi, j'ai fouillé dedans. Il n'est pas. C'est comme vous dites là. Son père, c'est la même histoire comme le roi de Krediabo. Le roi de Krediabo, là, c'est un gagnant.
Mais ce sont les luttes de conquête. Et ils ont eu des espaces au niveau de Krendiabo. Il est resté là, il est là avec ses enfants. Mais ses enfants vont au Ghana. Le père du président Ouattara, ses grands-parents ont mené la lutte de conquête. C'est pour ça que Kong est dans la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Kong est dans la Côte d'Ivoire. Donc si l'enfant, à un certain moment donné, a suivi son père, il allait étudier. Cela ne fait pas de lui un Burkinabé. Il a fini. Il est revenu faire ses études. Quand Alassane Ouattara était à la Bessiaou, chose l'appeler Thomas Sankara, au temps de Sankara, Sankara appelait le président Ouattara. Parce que le poste de vice-gouverneur de la BCAO revient au Burkinabé. Oufoué Boigny, quand Sankara appelait le président Ouattara, Ouattara est venu voir directement Oufoué Boigny. Il est venu voir directement Oufoué Boigny. Oufoué lui a dit, tu peux partir. Va l'écouter. Il est parti, lui a dit, il dit que le poste, ça ne peut pas me revenir, parce que je ne suis pas Burkinabé. Le président Ouattara dit à Sankara, moi je vous dis ça aujourd'hui, que le poste de vice-président, je ne peux pas prendre parce que je ne suis pas Burkinabé. Alors que Sankara voulait faire de lui ministre de l'économie. Et même ministre, il lui faisait la proposition même de premier ministre. À ce temps-là, il pouvait accepter. Il pouvait accepter. Il a dit non. Parce que les gens pensent que comme lui, il a grandi. Oui, mais il a suivi son père. Nos enfants aujourd'hui nous suivent partout où on va. Mais c'est ça qui est la vérité. Alassane Ouattara a suivi son père. C'est un enfant. Il a fait ses études. Aujourd'hui, il rentre dans son pays. C'est l'opposition ivoirienne qui le présente comme un étranger. Mais il n'a jamais été étranger. Il n'a jamais été étranger. C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Dont ses ancêtres se sont battus. Toi, soulève-la, tes ancêtres ne se sont pas battus pour ce pays. Tes ancêtres ont mené quelle lutte? Ton père était assis en combattant, c'est pour la France, il s'est battu. D'après toi. Mais le papa de Ouattara, c'est son papa, ses grands-parents, et son père était l'un des financiers de Félix Oufoué Boigny. Le père d'Alassane Ouattara était l'un des financiers de Félix Oufoué Boigny. Pendant les luttes d'indépendance, c'est lui qui finançait Félix Oufoué Boigny. Toi, ton père a financé qui? Ton père, il a eu un coup d'état, il a fui. Il est venu s'installer ici, ça s'arrête là. Comme il ne peut pas combattre Ouattara, s'il était vraiment Burkinabé, tout ce travail qu'il faisait là, qu'il fait, il ne pouvait pas le faire. Ça, le travail d'un puissant ivoirien. C'est quand Ouattara est en train de faire, on appelle ça sang, un digne fils. Moi-même, je doute souvent de Gbagbo lui-même. Comment toi, Gbagbo, on te donne la Côte d'Ivoire et tu es là, il y a rébellion. Tu es là, se revient poser rébellion. Gbagbo, on te donne la Côte d'Ivoire. Depuis Ouattara est là, il y a rébellion. C'est ça qu'on appelle un vrai fils. Depuis que Ouattara est là, il y a coup d'État. C'est ça qu'on appelle un vrai fils. Il fait pont, il fait échanger. Mais c'est le sang de ses ancêtres. Il réussit parce que c'est le sang de ses parents. C'est le sang de ses ancêtres. C'est ce qui coule en lui. C'est ce qu'on va travailler là. C'est le sang puissant de ses parents. Donc ne vous fatiguez pas. Être Burkinabé. Enlevez-le sur vos listes là. Quand vous citez vos listes là, enlevez-le dedans. Moi, c'est mon grand frère. C'est mon papa. Il fait un excellent travail. Enlevez-le dedans. Voilà. Maintenant, Soulé, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo te fera du bien. N'oublie pas que tu as violé la fille. N'oublie pas que tu as été, quand la crise a éclaté, tu as profité et tu es sorti de la prison. Voilà, n'oublie pas comment tu es arrivé là-bas. Ton père est un ancien combattant, d'accord, mais il est ancien combattant de la Guinée. Voilà, merci aussi pour le certificat de nationalité que toi-même tu as publié. Voilà, et puis il faut dire à tes imbéciles, là, parce que je viens certains zouzous. On m'a envoyé une de ces vidéos-là. Il dit non, en Guinée, il n'y a pas de Traoré. En Guinée, là, il n'y a pas de Traoré. Il dit, mais ce tiletré, là, il est où encore lui-là? C'est à moi, il veut répondre. On dit, il s'appelle un Zouzou de quoi, Zouzou, Zouzou Soro. Il dit, c'est moi, il appelle Hippopotame. Mais moi, je ne suis pas un homme gros. Je ne suis pas gros. Mais dans ces vidéos-là, je vous trompe. Il s'assoit là, c'est moi, Zasso. Il n'y a pas de Traoré en Guinée. Je vais te montrer les Traoré en Guinée. Idiot. Un analphabète comme ça, là. Toi, c'est toi, tu vas t'adresser à moi. Attends, vous pensez que les vidéos que vous faites pour Soro, là, vous êtes des hommes? Vous n'êtes rien. Vous avez donné le pouvoir à Soro? Est-ce que vous avez donné le pouvoir à Soro? On va faire asseoir Soro? Vous étiez partout, en Italie, partout. Soro ne sait pas. Ouattara ne sera jamais président. Ouattara ne va pas être président. Ouattara va faire ça. Ouattara est président. Il est là. Il est encore là. Et vous, Soro se promène partout. Il ne dort même pas. Soro ne dort pas. Moi, je suis en Côte d'Ivoire et puis Soro ailleurs. Ce n'est pas normal. Il n'a qu'à rentrer dans son pays.
C'est là que je vous attends. Selon là, il sait aujourd'hui que ça soit en Côte d'Ivoire. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Il ne va pas tenir. Parce que partout où je vais passer, je vais l'exploser. Il sait. Quand il n'y a pas de travailleurs à dîner. Et il y a des gens qui m'envoient ces vidéos-là. Iya Traoré là, voilà, lui là, c'est un jeune Guinéen. Il s'appelle Iya Traoré, le Guinéen freestyle. Il y a, bon ça c'est, il y a tellement de Traoré à Guinée. Voilà encore ici. Attends, il y a même ça sur YouTube. Comment toi tu as fait vidéo, tu as dit il n'y a pas Traoré à Guinée. Parce que tu veux défendre Soulé. Il n'y a pas de Traoré à Guinée. Avant de venir faire vos vidéos pour me répondre, allez-y étudier. Hein. Imbécile que vous êtes. Qu'il n'y a pas de Traoré en Guinée. Parce qu'on dit sous le monde, Traoré, sous le. Donc eux, ils vont venir faire vidéo pour dire qu'il n'y a pas de Traoré en Guinée. Travail de la Guinée sont nombreux à taper sur les réseaux sociaux quand même. Ouais, il y a toujours un climat serein quand on commence des éliminatoires, mais le premier match il conditionne beaucoup. Ce petit là, c'est un Guinéen. Climat serein, mais si on perd, ce sera déjà la poignée. Il s'appelle Iya. C'est un petit Guinéen. Ce petit là, c'est un Guinéen. Comme je dis, là, il s'appelle aussi Traoré. Il y a un bon groupe, ça va bien. Il y a un nouveau coach, il met des choses en place. Il y a trop de Traoré. En Guinée, vous allez vous asseoir là pour dire qu'il n'y a pas Traoré en Guinée. Qui vous a dit ça? Il y a trop trop de Traoré en Guinée. Tous ces petits footballeurs là, tout cela, lui il s'appelle Traoré. C'est un petit Guinéen, il s'appelle Traoré. C'est un petit Guinéen. Vous allez venir faire vidéo pour dire non, il n'y a pas de travail en Guinée. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de travail en Guinée? Les travailleurs de la Guinée, les travailleurs de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Hein. Les travailleurs de la Côte d'Ivoire sont bien éduqués. Les Koulibaly de la Côte d'Ivoire, les travailleurs de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont très bien éduqués. C'est vous les mal éduqués là. C'est vous qui venez de l'autre côté là. C'est à vous qu'on va répondre. Donc, comportez-vous bien. Ah, moi je leur ai dit qu'il y a trop de travailleurs en Guinée. Et ils font vidéo pour dire que c'est à moi qu'ils parlent. Il n'y a pas de travailleurs en Guinée. Il n'y a pas de travailleurs en Guinée. C'est à moi, vous allez dire ça. Il y a le Koulibaly au Burkina. Ils sont nombreux là-bas. Mais on les connaît. Le Koulibaly de la Côte d'Ivoire, on les connaît. Seulement certains font des erreurs à cause de la mosquée, les gens se mélangent. On ne va plus faire cette erreur. Moi je suis là pour réveiller les gens maintenant. On ne va plus faire cette erreur. Pour ne plus connaître ses enfants comme saoulés comme ça, qui vont venir insulter la Côte d'Ivoire. Donc, chers amis, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Pardonnez, envoyez la vidéo à saoulés. Dites-le. Voilà. Donc, vraiment. Ah, comment Manabri a merci. C'est eux qui ne savent pas où. Bicélestin, seul un ennemi de la Côte d'Ivoire qui peut détester ce président travailleur. Merci mon frère. Quand je leur dis toujours, le président Ouattara n'est pas burkinabé. Vous pensez que s'il était burkinabé, là-bas, il a le soutenir. Moi, il n'y a pas le soutenir. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Vous ne me connaissez pas. C'est parce que c'est le sang ivoirien qui nous dit. Le président Ouattara, là, ça dit, quand tu fais comme ça, c'est ivoirien. Regardez les ponts, les échangeurs, la stabilité. C'est que Gbagbo n'a pas donné la lui, il donne. C'est là où on voit les vrais fils. Les vrais fils là, ils protègent toujours. Le vrai fils là. Le vrai fils là, il protège. Le vrai fils là, il protège. Il défend. Depuis votre là, le pays se développe. Ah mais oui, l'argent rentre. Le pays se développe. Les routes, les échangeurs.
C'est un digne fils. C'est ici. C'est le sang ivoirien. On a donné son genre du FPI là. Eux-mêmes, je doute de eux. On vous donne un pays là, deux ans d'être coup d'État, rébellion. On est resté là 8 ans. Jusqu'on nous a envoyé Blaise comparer. Au lieu d'aller discuter avec Blaise, ils n'ont pas allé discuter avec Blaise. Ils se sont amusés avec le pays. Aujourd'hui, le pays se développe. La mine Doumbouya, il y a plein de travailleurs en Guinée, ils font partie de mes éléments là où nous travaillons. Ah, merci mon frère. Merci mon frère. Ce Zouzou là, ce gros bec, ce vaille de Zouzou, qui s'assoit derrière les trucs là. Il dit c'est un souris. Sinon, il y a trop de travailleurs, il y en a trop. Trop. Qu'il n'y a pas de travailleurs en Guinée. Ils veulent simplement défendre Soulé. Quand Soulé insulte, les gens, vous ne parlez pas. Mais dès qu'on lui envoie une réponse leste, vous tremblez. En tout cas, merci pour vos partages, mais partagez. Hein. Voilà, partagez. Quand sous les suites, les gens, vous ne parlez pas. Voilà. Dès qu'on lui envoie une réponse leste, vous tremblez. En tout cas, merci. Merci à vous tous, Dieu vous bénisse. En tout cas, dites à Sous les fils de Kaka, son père s'appelle Mamadi. Mamadi Traoré, c'est un ancien combattant. Voilà. C'est un ancien combattant, il vivait. Il a marié notre soeur. Là, le shérif a tout expliqué. Il a marié notre soeur. Il est mort en Côte d'Ivoire, là, à Niakara, c'est là-bas, on l'a enterré. Il a laissé un imbécile, là, comme fils. Un idiot. Un violeur, il violait les petites filles. Il a violé une fille, on l'a mis en prison ici. C'est dans les crises la militaire là. Quand il y a eu les armes, ils sont allés casser les prisons. C'est comme ça, Soulé est sorti. On a cassé les prisons, c'est dans ça, Soulé est sorti. Soulé, comme vous voyez là, il a violé femme. Soulé, comme vous voyez là, il était en prison. Soulé, comme vous voyez là, il a été évadé, c'est un évadé. Soulé là, c'est un évadé de prison. Allez-y, lui dit que c'est moi qui dis ça, que c'est un évadé de prison. C'est un ancien prisonnier. C'est un ancien prisonnier, ce sous-le ancien prisonnier. Un évadé. Pour viol, c'est un évadé. Donc, je salue mon frère, Ladji Shérif. Il ne faut plus, on va parler à ce monsieur. On lui a déjà dit, s'il n'a qu'à rester en France, mais il n'a qu'à laisser notre pays en paix. Ladji, il faut lui dire que nous, on n'a plus besoin de lui. On lui a déjà montré chez lui, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à venir prendre le corps de son papa, il n'a qu'à partir, ça. Voilà. Voilà. Et puis il n'a qu'à arrêter d'insulter papa des gens, maman des gens, attaquer les familles des gens. Il n'est pas politicien, c'est un ancien évadé de prison. Toi qui es évadé, tu dis non, toi qui es prison. Et politicien, non, il faut venir retrouver. Moi je suis un politicien. Moi, la maman est propre, je ne dois à personne. Je ne dois à personne. Donc je dis ce que je pense. Tu vas me faire voir. Tu vas me faire voir. Je suis le seul qui critique Soro et qui dit à Soro ce qu'il pense. Il va me faire voir. Il va me faire quoi? Il va s'asseoir devant moi, je lui dis la même chose. D'abord, vous êtes des idiots, des illettrés, des incultes comme ça. Vous êtes en France, dans un pays de démocratie, et c'est vous qui soutenez l'ancien chef de guerre. C'est parce que vous, là, il vous a fait sortir de la prison. Quand il a cassé les prisons, là, vous avez profité. C'est pour ça que vous le soutenez, c'est tout. Sinon, derrière ça, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez insulter nos familles. Vous pouvez être reconnaissant, selon gloire à Dieu, ça, c'est votre problème. Mais arrêtez d'attaquer les familles. C'est ce que je vous demande, parce que là, on va toujours déborder. Que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire, que Dieu nous débarrasse de ses fils-là. Ils sont nombreux comme ça. Il est maintenant temps, ils n'ont qu'à aller aussi aider leur papa. Ils n'ont qu'à aller faire leur panafricanisme chez leurs parents. Ils n'ont qu'à arrêter d'insulter la Côte d'Ivoire, d'insulter la Côte d'Ivoire, de dénigrer la Côte d'Ivoire, d'humilier la Côte d'Ivoire. Ils sont libres, ils peuvent faire leur front avec Ibrahim Traoré. Mais appeler au coup d'État, appeler à l'insurrection contre mon pays. Inviter les gens à chasser Ouattara du pouvoir, à faire un coup d'État, je ne vais pas les tolérer. Et je suis vraiment désolé. Donnez-leur des conseils. Amadou Gon avait dit, il dit donnez-leur des conseils. Amadou Gon allait à Ferke. Il a dit aux gens, donnez des conseils à vos enfants. Ici là, nous sommes les chefs du village. Nous sommes les fils de ce pays. Ce pays, c'est notre terre.
On ne peut pas enterrer vos parents ici. Et c'est vous qui allez nous insulter chaque jour. Alors que les tombes de vos parents sont là. Et vous allez passer votre temps à nous dénigrer, nous insulter. Nous n'allons pas tolérer ça. Que Dieu vous bénisse.